ولد كارلوس غصن اللبناني الأصل بالبرازيل عام 1954. بدأ حياته المهنية عن عمر 24 سنة بشركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان، بعد ما درس بمعهدين فرنسيين عاليين، البوليتكنيك ومعهد المناجم بباريس. بميشلان أمضى غصن 18 سنة قبل ما ينضم إلى شركة رونو، حيث عين مدير عام مساعد بكانون الأول 96 ومسؤول عن الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي. مع ميشلان استلم كارلوس غصن منصب مدير التصنيع بمصنع شوليه ومسؤول عن مركز الأبحاث والتطوير للإطارات الكبيرة بوسط فرنسا وبالتحديد بلادو. عام 85 عينوا فرانسوا ميشلان مدير عام للشركة بالبرازيل حتى شباط 89 موعد تعيينه رئيس ميشلان بأمريكا الشمالية، وكلف مهمة تنفيذ عملية الدمج بين مصانع يوني رويال ومصانع ميشلان. بهالمجال أظهر غصن مهارة كبيرة بالتفاوض مع النيابات الأمريكية النافذة. بشباط 96 أصبح مسؤول عن المنتجات العالمية لإطارات السيارات السياحية والشاحنات، لكنه غادر ميشلان بخريف العام نفسه وأصبح اليد اليمنى والخلف المحتمل للويس شفايستر رئيس شركة رونو وصاحب فكرة زواج العصر بين شركته رونو ونيسان اليابانية، علما أن قيمة هالصفقة الثنائية بلغت 33 مليار فرنك فرنسي أو 5.5 مليار دولار. حاليا عم بيتعلم كارلوس غصن اللغة اليابانية، أما شعاره المهني الأساسي فهو التصرف بسرعة ومن غير تهافت. Excellent début de soirée. Au cœur même de l'industrie, nous campons ce soir une industrie qui a fait révolution au début du siècle et qui ne fait que nous épater aujourd'hui à l'aube du troisième millénaire. C'est vrai que le côté qui nous intéresse, c'est l'aspect extérieur, mais derrière les formes et les couleurs et les modèles, il y a un management, un cerveau, un stratège, un tacticien et un entrepreneur. Ce soir, nous rencontrons celui par qui l'événement passe, un événement qui ouvre la porte aux alliances mondiales, occultant les certitudes anciennes et les traditions héritées. Libanais d'origine, nous en sommes fiers. Ce soir, nous le découvrons ensemble avant que son avion décolle en direction de Tokyo. Carlos Grosson, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Un plaisir à vous-même pour moi. Tout d'abord, Mabrouk, pour le mariage Renault-Nissan, un mariage qui a été célébré le 27 mars 1999 à Tokyo. Un mariage sobre, il est vrai, sans musique, sans les logos respectifs, sans les films des deux sociétés, de nouveaux partenaires, mais un mariage historique qui va certainement propulser Renault au rang d'acteur mondial. Cette alliance des forces respectives des deux sociétés qui a déclenché un bouleversement partout sera certainement le sujet majeur du débat de ce soir. Pour commencer, un panorama sur l'industrie de l'automobile dans le monde. Nous savons très bien qu'il y a trois pôles qui se partagent le gâteau, si j'ose l'appeler le gâteau. Les Américains avec General Motors, Ford et Chrysler, les Japonais avec Honda et Toyota, et Nissan bien entendu, et les Européens, voire les Allemands et les Français avec Renault et Volkswagen. Tout d'abord, une question très simple. Par quoi se distingue chacune de ces trois portions? Et quelles sont les particularités de chacune? Écoutez, les Américains ne sont plus que deux, puisqu'il y a General Motors en première position mondiale et Ford comme challenger de General Motors en deuxième position mondiale. Les Américains sont en pleine santé, ils sont en pleine croissance, ils ont fait les réformes qui étaient nécessaires. Il est arrivé de vivre le début des années 90 aux États-Unis, à une époque où l'industrie automobile américaine était sous pression de l'industrie automobile japonaise, et peu de gens pensaient qu'il y aurait une réaction vigoureuse des Américains, et elle a lieu, puisqu'aujourd'hui, les Américains sont sur tous les fronts. Évidemment, il n'y a pas que des victoires, ils ont aussi des revers, mais nous avons une industrie américaine qui est florissante. Je ne parle pas de Chrysler, puisque comme vous le savez, Chrysler a rejoint Mercedes dans une alliance qui a beaucoup surpris l'industrie automobile et en même temps amené l'ensemble des dirigeants de l'industrie automobile à réfléchir sur le visage qu'aura cette industrie automobile sur les 10 prochaines années. Donc Chrysler s'est allié à Mercedes dans une opération qui fait que l'ensemble est plutôt allemand qu'américain. Alors, de l'autre côté, vous avez les Japonais avec Toyota et Honda qui ont une
santé florissante. Nissan, nous allons revenir là-dessus, qui est notre partenaire, notre allié. Et puis vous avez les Européens avec Volkswagen, qui est le leader en tant qu'entreprise sur le marché européen. Renault, qui est la première marque européenne. BMW, PSA et Fiat. Si vous voulez, ces trois pôles ont des caractéristiques très différentes. Il y a quand même un point qui caractérise l'ensemble de l'industrie, c'est qu'elle vise la mondialisation aujourd'hui. Aucun constructeur ne se conçoit dans l'avenir sans être présent sur les principaux marchés mondiaux, si ce n'est la totalité des marchés mondiaux. Il n'y a plus de marchés négligeables, il n'y a plus de petits marchés. Il s'agit d'être compétitif sur l'ensemble des marchés en étant présent pratiquement sur tous les marchés mondiaux. Vous avez qualifié l'industrie américaine comme étant florissante. Oui. Vous savez, il est vrai que la concurrence ainsi que les innovations technologiques créent un environnement en mouvement perpétuel dans lequel il n'y a plus de position acquise pour qui que ce soit. Mais cependant, nous avons l'impression que l'industrie américaine est immunisée, qu'elle est toujours à la tête d'une pyramide, comme si rien ne la perturbe, rien ne la secoue, comme si elle est hors compétition. Au moment où l'industrie européenne se présente comme une industrie fragile, plus ou moins instable. Alors comment expliquez-vous ce phénomène, si j'ose le qualifier ainsi? Mais, écoutez, je pense que dans l'industrie automobile, les Américains ont beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans lequel on se posait vraiment la question de savoir si le leadership de l'industrie automobile mondiale ne passerait pas des Américains vers des Japonais. Et ça, c'est un moment que l'on arrive à cerner dans l'histoire, c'est-à-dire c'est l'ensemble des années 80 où il y a eu l'offensive des constructeurs automobiles japonais sur le continent nord-américain, où en quelques années, ils ont acquis jusqu'à 30% du marché américain. Donc, ils ont été dans une situation très difficile, et je pense qu'il n'y a pratiquement pas de cas de constructeurs automobiles qui ne soient pas passés par des phases de difficulté, voire des phases de doute. Et ces phases de doute et de difficulté sont très importantes, parce que c'est dans les phases de crise qu'une entreprise se régénère. C'est dans les phases de crise qu'elle se crée une vision, c'est dans les phases de crise qu'elle soude ses efforts, qu'elle trouve son originalité. Et ces périodes de crise, d'une certaine manière, sont une opportunité pour chaque entreprise pour se régénérer. Les Américains l'ont fait sous les coups de boutoir de l'industrie automobile japonaise. Ils s'en sont bien sortis. Moi, j'ai un souvenir très précis en tête. En 1990, Chrysler était dans une situation extrêmement précaire. D'ailleurs, le dernier modèle qu'ils avaient mis sur le marché, ils l'avaient dénommé LH. Et je dirais, les gens à l'intérieur de Chrysler en rigolaient un petit peu parce qu'ils l'appelaient l'Astro. C'était le dernier véhicule. Ils se disaient finalement, si on ne réussit pas ce lancement, Chrysler, sous une forme ou sous une autre, disparaîtra. Et l'histoire montre que ce lancement a été remarquable et qu'avec ce lancement de ces nouveaux produits, ils se sont très sérieusement rétablis jusqu'à devenir, avant l'alliance avec Daimler, le constructeur le plus profitable au monde et l'un des constructeurs qui a le plus gagné en part de marché, notamment sur le continent nord-américain. Donc, si vous voulez, je dirais, s'il y a une industrie où on peut dire les premiers seront les derniers et les derniers peuvent être les premiers, c'est bien l'industrie automobile, à condition de saisir la crise et la difficulté comme une opportunité et pas du tout comme une catastrophe. Ouais, moi ce que je voulais dire, c'est même pendant la période de crise, on n'a jamais senti que l'industrie américaine a été reléguée à un second plan, un troisième plan. Ils étaient toujours là, ils sont au bout de la pyramide. On sent également qu'il y a une certaine culture chez les Américains qui pousse les gens et qui les incite à acheter et à n'acheter que des voitures américaines. C'est vrai que les Japonais ont essayé de s'intégrer dans ce continent par le biais de leur fabrication, de leur modèle, mais les Américains, je ne sais pas, il y a une culture qu'ils reçoivent chez eux depuis qu'ils sont jeunes. Ils n'achètent que des voitures américaines. Ils ne conduisent que des voitures américaines. Est-ce vrai, oui ou non? J'ai vécu, je reviens sur la question que vous posiez, j'ai eu la chance de vivre cette année aux États-Unis de 1989 jusqu'en 1996. Et j'ai bien observé, évidemment, puisque j'étais dans l'industrie diplomatique à ce moment-là, j'ai bien observé le comportement des Américains. Ils sont, certes, ils sont très fiers de leur pays, ils sont très attachés à leurs valeurs, mais d'un autre côté, ce sont des gens qui sont très pragmatiques, c'est-à-dire, ils regardent la fonctionnalité des objets qu'ils achètent, et ce sont des gens qui négocient de manière très forte. Alors, s'ils achètent plus américains, c'est peut-être que les constructeurs américains répondaient au mieux à ces attentes qu'ils connaissaient bien, puisque c'était des constructeurs issus du pays qu'ils étaient en train de servir. Mais attention,
Les Japonais aussi ont répondu très bien à ces besoins ou à ce comportement du consommateur américain, et le consommateur américain les a récompensés de manière très forte, puisque l'industrie japonaise a atteint plus de 30% du marché américain. Or, on ne peut pas attribuer ça à un quelconque sentiment nationaliste. Il faut voir derrière ça le fait que les Japonais sont arrivés avec des voitures qui étaient moins chères, qui techniquement étaient très bien faites, qui avaient un degré de fiabilité et de qualité d'un excellent niveau, et qui répondaient vraiment à ce que les consommateurs ou à ce que le public américain était en train de demander. Pratique économique. Ah oui, tout à fait. Économie, prix, fiabilité, pas de surprise. C'est exactement ce que le public américain a demandé, et les Japonais ont été là pour répondre, et le public américain les a, je dirais, d'une certaine manière, récompensés en leur donnant plus du tiers du marché américain. Mais il y a un peu de chauvinisme ici, je pense. Je ne pense pas. Je pense que, je dirais que c'est, d'une certaine manière, il y a, finalement, il y a attraction, il y a réponse à celui qui répond le mieux à vos désirs et à vos soucis. Et il est normal qu'un constructeur national réponde mieux aux soucis des gens du pays qu'un constructeur qui ne l'est pas. Parce que le constructeur national, ben forcément, il connaît la culture, il connaît les habitudes. Je dirais, les constructeurs américains, ils réagissent comme des Américains. Quoi. Ce sont essentiellement des Américains. Et ils savent que l'Américain veut de l'espace, il veut de l'économie, il veut de la fonctionnalité. Et donc, c'est pourquoi, historiquement, ils ont représenté l'essentiel du marché américain. C'est la même chose pour les constructeurs français, qui représentent aujourd'hui plus de 60% des ventes en France, essentiellement parce que je pense, d'une certaine manière, les gens retrouvent dans le constructeur national les traits esthétiques, fonctionnels, techniques qu'ils demandent. On reste toujours dans le cadre du Japon, le Japon qui a été récompensé par les Américains, comme vous venez de signaler. Alors, à la fin des années 80, le Japon menaçait le monde entier. Le Japon a fait intrusion par son industrie. Cette industrie a fait admiration de tous, comme vous venez de dire. Ces entreprises très rentables étaient protégées de toute concurrence externe. Ces petites voitures, très compétitives, allaient embouteiller les carrefours du monde entier. Alors, les Japonais, comment ils ont pu intégrer aussi facilement le marché d'auto, s'y imposer, se forger cette réputation et évincer des sociétés qui étaient ancrées depuis des décennies, pour ne pas dire plus aidées. Écoutez, je pense que les Japonais ont décidé, après la Seconde Guerre mondiale, de faire de l'industrie automobile un des fers de lance de la croissance de leur pays. Et effectivement, ils se sont beaucoup inspirés des pratiques américaines. Il y a d'ailleurs des liens entre le Japon et les États-Unis qui sont historiques sur ce plan. Les Japonais ont d'une certaine manière pris tout ce qui était bien dans le modèle américain et ils l'ont fait évoluer. Et dans l'industrie automobile, ils ont effectivement pas dérogé à cette habitude. Comme les Japonais, d'une certaine manière, parmi les caractéristiques, si vous voulez, si on peut parler des caractéristiques d'un peuple, parmi les caractéristiques du peuple japonais, il y a le fait que ce sont des gens qui sont extrêmement observateurs, de manière générale, qui sont très pratiques, très pragmatiques. Ce sont des gens qui trouvent dans le kaizen, c'est-à-dire dans le progrès continu, une façon de s'exprimer, une façon tout à fait naturelle de s'exprimer. Ils sont arrivés, finalement, à faire progresser les modèles qu'ils avaient pu observer à l'extérieur, beaucoup mieux que ceux qui en avaient été les pères au départ. Et finalement, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est retrouvé avec des voitures, notamment dans l'industrie automobile, qui, surtout sur le plan de la qualité, sur le plan de la fiabilité, même sur le plan de la technologie, mais de la technologie de prolongement des technologies existantes, oui. Pas forcément dans la rupture dans les technologies existantes, remarquable. Quoi. Et c'est l'un des points essentiels de leur réussite. La France et les Français se sentaient menacés par les redoutables fourmis japonaises. Ça, c'est Dixit, l'ancien Premier ministre français, Yves Cresson. Renault, symbole de l'industrie française, s'inquiétait. L'entreprise nationale accumulait des pertes énormes et échouait dans tous ses projets de développement en Europe du Nord, en Tchécoslovaquie, aux États-Unis. Alors, en octobre 1996, la firme aux losanges affichait une perte de 5,25 milliards de francs. Une somme énorme. Pour sauver la situation, Louis Schweitzer, le PDG de Renault, décide de tracer deux objectifs, voire suivre deux pistes différentes, réduire le coût et se développer internationalement. Alors, il trouve en vous l'homme qu'il faut, l'homme orchestre, pour instaurer sa nouvelle stratégie. Avant d'évoquer cette rencontre, alors, qu'est-ce qui allait vraiment marcher chez Renault ?
Écoutez, vous êtes très, très, très généreux avec le rôle que vous m'attribuez. C'est vrai que je suis arrivé en octobre 1996 en tant que directeur général adjoint de Renault à l'appel de Louis Schweitzer qui m'avait convié à rejoindre le constructeur Losange. C'est vrai que Renault à ce moment-là était dans une situation un peu difficile qui se matérialise essentiellement par le fait que les parts de marché de Renault étaient stables ou déclinantes sur la plupart de ces marchés. Et effectivement, sur le fait que le profit en 1996 était plutôt une perte assez massive. Mais la stratégie, si vous voulez, qui a été adoptée par Renault, à laquelle j'ai contribué, ce pourquoi j'ai été appelé. Oui, excusez-moi, mais avant de parler de la stratégie adoptée, qu'est-ce qui allait vraiment mal chez Renault? Est-ce une mauvaise gérance? Est-ce que les produits ne correspondaient plus au goût de la clientèle? Est-ce que le prix de ces produits est un prix élevé? Non, écoutez, c'est très simple. Il y a des tas de choses. En général, dans une entreprise qui fait des pertes, il y a des tas de choses qui ne vont pas bien. Mais pour résumer, je dirais le principal problème de Renault en 1996, c'est que les voitures coûtaient trop cher. Alors, il y avait tout un tas d'autres points, mais je dirais ça, c'était le point essentiel. Quand une voiture coûte trop cher, ben, le consommateur, le public, où qu'il soit, en France et à l'extérieur de la France, se détourne, parce qu'aujourd'hui, il a la possibilité de trouver de la valeur chez un autre constructeur. Et là, effectivement, les clients les plus loyaux de Renault nous passaient le message en disant, non seulement en France, mais même au Liban, les voitures coûtent trop cher. Et il faut faire quelque chose et faire quelque chose de drastique. Et ça a été l'essentiel du message sur lequel nous avons travaillé. Alors, on revient là, oui. justement, à la stratégie à adopter. Alors, ça, c'était le premier point, donc réduire les coûts des voitures. Et réduire les coûts des voitures, non pas au détriment du client. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de réduire les coûts des voitures en faisant des voitures un peu plus frêles ou moins équipées ou qui durent moins longtemps. Hein. C'est pas ça la question. Ça, c'est vraiment la mauvaise réponse au problème qui est posé. Il s'agissait de réduire les coûts des voitures et réduire les prix des voitures tout en rajoutant plus de sécurité, plus de qualité, plus de fiabilité, plus d'équipement. D'ailleurs, vous voyez que depuis 1996, les voitures Renault qui ont les nouveaux modèles de Renault sont beaucoup mieux équipés que les modèles anciens et à des prix qui sont au plus égaux à ceux des modèles anciens, si ce n'est inférieurs à ceux des modèles anciens. Ça, c'est la traduction pour les clients à l'international de l'effort que Renault a fait. Mais cette stratégie, elle ne s'est mise pas uniquement à la réduction des coûts. Il y a aussi elle portait essentiellement sur l'innovation. Parce que l'une des caractéristiques de Renault, c'est que c'est un constructeur qui s'est fait une réputation, à juste titre, d'innovateur. Il y a des tas de modèles dans le passé qui montrent que Renault a osé faire des voitures tout à fait différentes. Parfois ça a réussi, parfois ça n'a pas réussi, mais quand ça n'a pas réussi, ça n'était jamais à cause de l'innovation, c'était à cause d'autre chose. Donc, un, réduction des coûts, deux, l'innovation, et trois, partir sur une stratégie de croissance essentiellement à l'international, c'est-à-dire dépasser le côté un peu continental de Renault, puisque Renault aujourd'hui fait 85% de ses ventes en Europe, et que 15% de ses ventes à l'extérieur de l'Europe, partir vers une internationalisation et donc partir à la conquête des marchés à l'international. Et donc des décisions de s'implanter au Brésil et de faire de l'Amérique du Sud le deuxième marché le plus important de Renault après l'Europe. Et vous pouvez mettre l'alliance avec Nissan, comme étant une des manifestations de la volonté de Renault, de s'internationaliser. Alors, Carlos Rousson, ingénieur, pur et dur, c'est ce qu'on dit. Vous avez appris la rigueur industrielle au sein de la rude école Michelin. Vous avez passé 18 ans. 18 ans qui vous ont fait valoir la réputation de Cost Keller, chasseur des coûts inflexibles. Votre carrière ainsi que votre itinéraire, nous allons en reparler dans la troisième partie de l'émission. Pour l'instant, nous sommes toujours en 96. Schweitzer trouve alors en vous l'homme requis pour muscler son état-major au lendemain de la privatisation de Renault. Dites-nous, comment a-t-il eu recours à vous? Comment a-t-il fait appel à vous? Comment, où a-t-il eu cette rencontre? Écoutez, vous savez, des choses se passent toujours dans la vie de manière très simple. Hein, je suppose pas toujours, que... mais pas tout le temps. Alors, mais je dirais, les rencontres entre hommes, je dirais, ça se passe de manière très simple. Moi, j'étais patron de Michelin en Amérique du Nord. J'étais basé aux États-Unis. Et puis, un jour, par l'intermédiaire de quelqu'un, j'ai appris que Louis Schweitzer souhaitait me voir. Je l'ai rencontré. Il m'a parlé de ses projets. Et à partir de là, j'ai pris un petit peu de temps de réflexion parce qu'on ne décide pas forcément de quitter un pays vers un autre, de quitter une industrie vers une autre, de quitter une entreprise vers une autre, comme ça, à la légère.
Donc j'y réfléchis et j'ai pris ma décision de le rejoindre et de rejoindre Bruno. À un moment, il faut dire, qui était assez difficile, si vous voulez, dans l'histoire de Renault. Mais si je regarde un peu en arrière aujourd'hui, je m'en plains pas du tout. Heureusement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, justement, vous avez passé 18 ans. Chez Michelin, 18 ans, vous savez, c'est toute une vie. Mmh. Et chez Michelin, vous avez grimpé à l'échelle graduellement. Mmh. Ce qui était bizarre, c'est que justement, vous avez mis terme à votre carrière, une carrière fulgurante, une ascension fulgurante chez Michelin, pour rejoindre une société, une entreprise qui était sous dette, qui était perdante, et dont la situation était instable. Mmh. Vous savez, il y a plusieurs choses. D'abord, premièrement, dans la vie, le changement est important. Alors, il faut pas que le changement, je dirais, soit le résultat d'une instabilité. Moi, je ne suis pas une personne instable. Avoir passé 18 ans dans une entreprise, je pense que j'avais pu contribuer tout ce que je pouvais contribuer à cette entreprise. Et pour moi, il était difficile à l'âge de 40 ans, parce que c'était à cette époque, j'avais 42 ans, d'accepter de pantoufler, quoi, d'une certaine manière. Donc il y avait là devant moi une opportunité, il y avait un challenge. En général, les opportunités et le challenge ont toujours une partie de risque. Hein, vous aimez les risques? C'est pas que j'aime les risques, mais je dirais, j'aime le risque qui comporte une opportunité. Hein. Vous savez, nous sommes dans l'industrie, nous sommes des gens d'opportunités, et les opportunités, à la limite, ne sont saisies que par ceux qui s'y préparent. Quoi. D'une certaine manière, moi, j'avais 18 ans de formation sur les marchés, je dirais, dans les pays à l'international. La mission que me proposait Louis Schweitzer était une mission qui, d'ailleurs, l'industrie automobile a toujours été une industrie reine. Deuxièmement, Renault a toujours été un constructeur, pour moi, un peu mythique. Et je dirais, le fait de rejoindre une équipe à un moment où cette équipe a besoin de vous, c'est le meilleur moyen d'avoir une équipe soudée. Et d'avoir des gens qui vous attendent, quoi, qui vous tendent les bras et qui ne vous regardent pas en disant « Mais dis donc, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là et en quoi on a besoin de lui ?» Moi, j'étais attendu chez Renault et j'étais très content, j'ai été très bien accueilli. Et donc, j'ai pu donner tout ce que je pouvais donner à cette époque. Vous avez accepté le risque, vous avez accepté le défi, vous l'avez remporté. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. C'est pas gagné encore. Hein, il avait une part de chance, je présume. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas encore gagné. Hein. Je veux dire, Renault va beaucoup mieux, hein, puisque vous l'avez indiqué vous-même. En 1996, c'était une situation assez difficile. En 1998, on a regagné des parts de marché. On a fait un profit en 1998, qui est l'un des profits les plus élevés de l'industrie. Ça va mieux. On peut faire beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de travail. Mais enfin, il vaut mieux avoir les résultats que l'on a aujourd'hui que ceux qu'on avait en 1996, c'est certain. Alors, adieu aux pneus, ou plutôt adieu à Michelin. Les pneus sont toujours là, finalement, à côté de la carrosserie de la voiture. Vous rejoignez Renault, vous êtes nommé d'emblée directeur général adjoint. Alors, vous avez justement parlé maintenant de votre plan d'action, vous avez évoqué votre plan de redressement de la société. Vous avez parlé d'un programme de rationalisation, donc réduction de coûts, et puis par la suite, développement international. Alors, comment on peut joindre la réduction d'un coût, la réduction des coûts d'un côté, et l'expansion, la mondialisation de l'autre côté. Parce que là-bas, c'est réduire des coûts et là, c'est investir. Comment on peut joindre deux, comment on peut concilier entre les deux? Ouais, ça va ensemble, finalement. Ce sont les deux faces à la limite de la même pièce. Vous ne pouvez pas, dans une entreprise, réduire des coûts sans avoir quelque part une vision, un message porteur. Et le message le plus porteur, c'est le message de la croissance, c'est le message du développement dans l'avenir. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas avoir de croissance et de développement dans l'avenir sans quelque part faire un appel à l'effort. Il n'y a plus de croissance, je dirais, sans effort, il n'y a pas de gain facile, mais d'un autre côté, il ne peut pas y avoir de gain qui n'ait pas de motivation profonde. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, la réduction des coûts marchait avec la croissance. Et si Renault... Et si nous avons réussi dans Renault à faire un effort massif de réduction des coûts, c'est parce qu'il y avait une motivation très forte de croissance et d'internationalisation. C'est cette vision de l'international, c'est cette volonté de croissance qui a fait que les gens ont accepté de faire beaucoup d'efforts, ont accepté des sacrifices qu'ils n'auraient jamais acceptés s'il n'y avait pas cette vision. Mais d'un autre côté, essayer d'avoir cette vision sans faire appel à l'effort, d'une certaine manière, c'est très démagogique et ça n'aboutit à rien. Parce qu'on sait très bien que dans une industrie extrêmement compétitive, d'une certaine manière, il n'y a que l'effort et le travail qui est à la base de la réussite. Alors, entre une usine fermée en Belgique, une autre ouverte au Brésil, entre une privatisation,
une gamme renouvelée. Au bout de 2 ans et demi, Renault renoue avec la gloire, si j'ose dire. Renault retrouve son rang antécédent, son rang antérieur. Il réalise son turnaround. Alors, justement, dites-moi, quelle est la dimension de votre investissement personnel? Pour combien y est Carlos Ghosn dans ce redressement? Très difficile pour moi de le dire. Ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous dire combien il y a de moi dans le redressement de Renault. Ce que je peux vous dire, c'est que je m'y suis engagé entièrement. Et que d'une certaine manière, dans des situations de difficulté, les entreprises ne surmontent ces difficultés et n'arrivent à s'en sortir et à se mettre dans un cercle vertueux de croissance et de compétitivité qu'à partir du moment où une grande partie des personnes qui constituent l'entreprise, et en premier lieu ses cadres dirigeants, et ses dirigeants s'investissent à fond, sans arrière-pensée, sans politique, à fond derrière l'entreprise. Et c'est uniquement, et ça c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante, hein. Si ça suffisait, ce serait trop facile, mais c'est une condition nécessaire. Et je pense que dans le cadre de Renault, il y a eu un effort d'équipe, un effort dans lequel chacun s'est investi sans compter, et je dirais nous avons la chance d'avoir des résultats qui, d'une certaine manière, correspondaient à nos efforts. Parfait. Aujourd'hui, le cœur industriel de l'économie japonaise sort des normes traditionnelles et conventionnelles, s'ouvre aux alliances mondiales. Ce chapitre, nous allons l'évoquer, l'analyser, en parler, juste après ce break publicitaire. Amis téléspectateurs, bonsoir encore une fois. Vous êtes en train de suivre l'émission Malaya, et ce soir, c'est une première, puisque de Paris, nous sommes en train de rencontrer Carlos Ghosn, directeur général adjoint de Renault et directeur général de Nissan Renault, justement le fruit de ce mariage qui a eu lieu entre Nissan et Renault, un événement qui marque la fin de ce siècle dans le monde de l'industrie d'automobile. Nous continuons notre conversation juste après cet arrêt. Restez avec nous. Alors, retour à l'émission Maraya ce soir avec Carlos Ghosn, le directeur général adjoint de Renault et le directeur général de Nissan bientôt à partir de 27 juin. C'est ça? C'est correct, oui ou non? 27 juin. Alors, aujourd'hui, Renault et Nissan s'allient, la société nippone s'allie avec la société française à travers un partenariat global qui permet à Renault de prendre 36,8% de Nissan Motor, 22,5% de Nissan Diesel, ainsi que la totalité du capital des filiales financières européennes de Nissan, dans un investissement de 33 milliards de francs. Alors, cet investissement a été payé ou a été financé pour un tiers par un apport de Renault et pour le reste par endettement. Alors pourquoi avoir choisi Nissan et pas Mitsubishi, par exemple, sachant que Toyota et Honda, et vous l'avez déjà évoqué dans la première partie de l'émission, conservent toujours leur rang. Ils sont hors compétition, plutôt elles sont hors compétition, donc elles sont imbattables du moins pour l'instant. Alors pourquoi avoir choisi Nissan et pas autre marque? Écoutez, Nissan, parce que c'était le meilleur partenaire pour Renault. Je dirais, finalement, les alliances, de manière générale, elles se jugent, non pas dans l'absolu, mais elles se jugent dans la complémentarité qu'il y a entre les deux personnes qui s'allient, ou les deux entités qui s'allient. Et la complémentarité entre Nissan et Renault, c'est la meilleure, et de loin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dès le départ poursuivi Nissan et pas les autres, pas d'autres constructeurs. Et je vais vous l'illustrer par quelques exemples. D'abord, complémentarité géographique. Renault, le point fort de Renault, c'est l'Europe. Un deuxième point fort sur lequel Renault est en train d'investir aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud. Les points forts de Nissan sur le plan géographique, c'est le Japon, le Mexique. C'est l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Mexique. C'est un certain nombre de pays asiatiques comme la Thaïlande et Taïwan. Et Nissan a une présence forte, pas aussi forte que Renault en Europe. Donc vous voyez que Renault, Europe, Amérique du Sud, Nissan, Japon, Taïwan, Thaïlande, Amérique du Nord, la complémentarité géographique est presque parfaite. Deuxièmement, complémentarité en matière de produits. Il y a des tas de produits que Nissan fait depuis très longtemps qui n'existent pas dans la gamme de Renault. Je vous donne des exemples. Renault n'a pas de pick-up. Renault n'a pas encore de Sport Utility Vehicle, les fameux SUV ou les 4x4. Or, ces véhicules représentent un point fort de la gamme de Nissan. Nissan a un haut de gamme qui est très élaboré. Renault a un haut de gamme, mais le point fort de Renault a toujours été la gamme moyenne, c'est-à-dire Mégane, ainsi que les petites voitures comme Clio, ainsi que Twingo. Donc en matière de véhicules, il y a une complémentarité très bonne entre Renault
et Nissan. Et troisième point, quand on regarde les points forts des entreprises, de l'entreprise en tant que telle, Renault, l'un des points forts de Renault, ça a été, ça a toujours été, et c'est le cas aujourd'hui, c'est le design. Le design des voitures Renault est considéré comme étant un point fort de l'entreprise. Un autre point fort de Renault, plus récent, c'est la capacité de Renault à trouver de bons partenariats avec ses fournisseurs. C'est un élément qui est très important quand on sait que plus des deux tiers du coût d'une voiture sont des coûts d'achat. Troisième point concernant Renault, c'est une gamme produit qui est rationnelle et qui est d'une certaine manière très productive. Hein. De l'autre côté, vous avez Nissan. Les points forts de Nissan, c'est d'abord un système industriel qui est parmi les meilleurs au monde. La productivité des usines et Nissan, c'est l'une des meilleures de l'industrie automobile, puisque l'usine de Smyrna aux États-Unis est la plus productive des usines automobiles de l'Amérique du Nord. L'usine de Sunderland en Europe est la plus productive de toutes les usines européennes, pas de toutes les usines Nissan d'Europe, mais de toutes les usines des autres constructeurs automobiles. Et Nissan se positionne très bien dans le cadre du Japon. Donc, grande productivité industrielle. Deuxième point très fort de Nissan, c'est la grande fiabilité et la grande qualité, qualité dans le sens de maintenance des voitures. Bon, donc vous voyez que vous avez les forces de l'un ne correspondent pas aux forces de l'autre, et évidemment, les faiblesses de l'un ne correspondent pas aux faiblesses de l'autre. Donc vous avez complémentarité géographique, complémentarité produit, complémentarité même sur le plan du business, font qu'effectivement, eh bien, l'alliance entre les deux, c'est une alliance qui fait beaucoup de sens et qui fait que Nissan a été, et de loin, dès le début, le partenaire idéal pour nous. Une alliance parfaite, harmonieuse. Alliance parfaite sur le papier, harmonieuse sur le papier. Maintenant, la vie industrielle, sera probablement différente. Et ce sera à moi, dans le cadre de mes fonctions en tant que directeur général de Nissan, de veiller à ce que d'un côté, Nissan continue à s'améliorer, à se développer, et que ce développement se fasse en harmonie avec, dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan. Donc seul le temps le dira. Oui. Nous irons bientôt chez vous au Japon. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Vous savez que vous êtes convaincant dans ce que vous dites. Ben écoutez, j'espère, parce que je trouve que, comme vous le savez, la presse mondiale, l'ensemble des analystes considèrent cette opération comme étant une opération très risquée. Ce qu'elle est d'ailleurs, hein, c'est une opération très risquée. Elle est très risquée parce que Renault fait une alliance avec un constructeur, qui est un constructeur qui fait des pertes, hein, puisque les 8 derniers exercices de Nissan, 7 exercices ont été déficitaires. Et deuxièmement, Nissan est une entreprise qui est très endettée, puisque la dette de Nissan est estimée à plus de 150 milliards de francs. Alors qu'en face, Renault fait des profits, Renault n'a pas de dette, c'est une entreprise qui était cash, et donc une partie de ce cash qui est utilisée dans le cadre de l'acquisition des 36,8%. Bon, donc c'est un risque. Mais en même temps, vous n'avez pas des opportunités aussi grandes que celle-là, parce que c'est une énorme opportunité aussi, vous n'avez pas d'opportunité sans risque. Et donc, tout notre métier, c'est de s'assurer que nous réalisons les opportunités, nous minimisons les risques. C'est là que vous avez été critiqué, d'ailleurs, dans la presse internationale. Dans quel sens? Le fait que vous êtes en train de faire un amalgame, ou un alliage, ou une alliance, entre une société profitable, une société en croissance, une société qui est perdante, endettée. J'observe beaucoup ce que disent les gens, et je néglige jamais les commentaires faits par les uns ou par les autres. Que cette alliance soit une alliance risquée, ça ne fait aucun doute. Alors, vous avez peur d'échouer? Je ne suis pas... Vous savez, il n'y a pas... Si j'ai peur d'échouer, comme tout un chacun, il n'y a pas de situation... Ce n'est pas une situation garantie, ce n'est pas une situation où on va à une bataille et on dit finalement on va certainement la gagner. Pourquoi c'est une bataille? Mais je pense que les chances sont de loin supérieures, dans mon esprit, sont de loin supérieures, les chances de succès sont de loin supérieures aux chances d'échec, mais qu'il y ait aussi des risques d'échec, c'est absolument indéniable. Mais d'un autre côté, vous savez, ce sont les constructeurs moyens, comme Renault, qui doivent prendre des risques aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas General Motors qui va prendre des risques, ce n'est pas Ford qui va prendre des risques, ce n'est pas Mercedes Chrysler qui va prendre des risques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de savoir finalement pourquoi Renault fait une alliance alors que Mercedes Chrysler ne l'a pas faite. Eh bien, parce que les alliances se jugent non pas dans l'absolu, mais elles se jugent dans la complémentarité des entreprises, et c'est aux petits et aux moyens de prendre des risques, ce n'est pas aux gros. On vous a baptisé Cosque, c'est pas ça?
Moi, je dirais, c'est la presse adore l'équipe. Moi, je dirais également, c'est World Killer. Non, écoutez, là, vous savez très bien, la presse adore les titres et surtout les titres réducteurs. Bon, pourquoi on a parlé de Ghost Killer? Mais ça vous va, mais ça vous plaît. Je pense que c'est très réducteur. Je pense que mon rôle, bah oui, parce que si on regarde mon rôle uniquement comme étant celui qui a contribué à la réduction des coûts, on ne voit pas l'autre partie dont je vous ai parlé, qui est celui de la mobilisation autour d'une vision de croissance. Or, celle-là, elle est fondamentale, parce que ceux qui réduisent le plus les coûts, ce sont ceux qui offrent le plus d'espoir pour l'avenir. Et cet espoir, il n'est pas fait autour de la réduction des coûts, il est fait autour d'une vision de croissance, une vision d'une entreprise plus forte. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, Renault s'est mobilisé non pas pour réduire ses coûts, Renault s'est mobilisé pour s'internationaliser, pour croître. Et c'est parce que Renault s'est mobilisé pour internationaliser et croître que l'ensemble des gens de Renault ont accepté les sacrifices et ont participé à un effort massif de réduction des coûts qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des plus importants des dernières années des constructeurs automobiles. Alors également, on peut dire, vous êtes hope giver, hope launcher. Hope Giver, alors là, on tombe dans autre chose, là. Hope Giver, non, surtout pas. Non, si vous voulez, je suis uniquement un industriel, si vous voulez, un homme d'entreprise, c'est-à-dire qui, d'un côté, regarde les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'il voudrait qu'elles soient, et non pas telles que d'autres souhaiteraient qu'elles soient. Je regarde les choses telles qu'elles sont, je les examine de la manière la plus lucide possible, et je guette les opportunités pour l'entreprise. Or, dans cette opération Renault-Nissan, l'opportunité, entre guillemets, Nissan est énorme. Bon. En face de ça, il faut reconnaître qu'il faut être lucide, il y a des risques. Je les assume en tant que tel, mais pour juger de cette opération, il faudra attendre quelques années. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dira si effectivement c'était l'opportunité qui prévalait sur les risques ou l'inverse. Vous estimez également qu'entre un fait et une théorie, c'est le fait qu'il emporte toujours. Alors, à votre avis, pourquoi les théories ont été créées? Les théories ont été créées pour comprendre les faits ou pour les anticiper. Jamais pour s'y substituer. Chaque fois que les théories ont essayé de se substituer aux faits, ça a été une catastrophe. Ça s'est traduit par des drames humains et vraiment par des grands malheurs. Je dirais, les théories ne sont faites que pour permettre de comprendre plus vite et d'anticiper sur la réalité. Mais fondamentalement, entre les deux, il n'y a pas débat. L'un des points pour lesquels vous avez été également critiqué, c'est le fait que Daimler, Chrysler, avait déjà entamé des pourparlers avec Nissan, des pourparlers qui n'ont pas abouti. C'était inquiétant. Pourquoi ? Ces négociations ont échoué. Et estimez-vous avoir bien étudié le dossier de Renault de façon à connaître parfaitement, de Nissan plutôt, de façon à connaître parfaitement, exactement et précisément la situation de la compagnie? Écoutez, en ce qui concerne Daimler Chrysler, moi je ne suis pas le plus qualifié parce que forcément, les seules personnes qui savent effectivement pourquoi Daimler Chrysler a abandonné le cas Nissan, c'est vraiment l'équipe de direction de Daimler Chrysler. C'est Jürgen Schrempf avec la petite équipe qui est autour de lui. Donc je dirais, on ne peut que spéculer. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ont fini par ne pas faire le deal. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Maintenant, ça ne me choque pas du tout que ce ne soit pas une bonne affaire, que ce ne soit pas considéré comme une bonne affaire par Daimler Chrysler, que ce soit considéré comme étant une bonne opération par Renault. Parce que Renault n'est pas Daimler Chrysler, n'est pas du tout dans la même situation. Et Renault a aujourd'hui des forces et des faiblesses qui sont différentes. Des forces et des faiblesses de Daimler Chrysler. Donc c'est quelque chose qui ne me choque pas. Est-ce que nous avons bien étudié notre dossier? Oui. Une opération de ce type dans laquelle nous investissons plus de 33 milliards de francs, nous prenons 36,8% de l'actionnariat d'un de nos concurrents japonais qui s'appelle Nissan, ce n'est pas une opération qui se fait un peu à la légère. C'est une opération qui a été fondamentalement bien étudiée. Maintenant, si votre remarque, ce qu'on a dit la presse, est plutôt dans le sens de est-ce que vous avez bien mesuré les risques que vous prenez? Oui, nous sommes lucides, nous avons mesuré les risques, mais en même temps, nous regardons, c'est ça le point le plus important, nous regardons les opportunités en face de ces risques. Et c'est dans quelques années que l'on verra la taille des opportunités par rapport aux risques que nous avons. Carlos Rosson, pourquoi 36,8% dans le capital? Sachant qu'avec cette proportion, vous n'êtes pas le décideur. Écoutez, nous ne sommes pas les décideurs. Maintenant, vous savez qu'au Japon, il faut prendre plus de 33% de participation actionnariale de façon à, je dirais, participer suffisamment à la stratégie, au choix des hommes et à la conduite d'une entreprise. Et nous sommes au-delà de 33%. Nous ne sommes pas les décideurs, mais d'un autre côté, comme vous le savez,
Moi, j'ai quitté, je quitte la direction générale adjointe de Renault et je deviens directeur général de Nissan. Décideur, alors. Je deviens le principal responsable opérationnel de Nissan. Hein, c'est les Américains. C'est le chief operating officer. De Nissan, voilà. Je suis le chief operating officer. Mais attention, ma mission, c'est de faire que Nissan se redresse de façon à ce que Nissan reparte à l'offensive, de façon à ce que Nissan regagne en compétitivité. Mais je le ferai en harmonie et en, je dirais, conformité à l'esprit de l'alliance entre nous et Nissan. Comment allez-vous opérer? Alors justement... Écoutez, pour l'instant, comme vous le savez, je suis dans une situation transitoire, puisque je suis nommé par le conseil d'administration de Nissan le 25 juin. Je prends mes responsabilités le 1er juillet. Mais Nissan, je l'ai examiné surtout pendant la période de négociation au travers des dossiers et de ce qu'en m'en ont dit le top management de l'entreprise. Et là, je passe un temps où je suis en immersion. Donc, je suis souvent au Japon, je suis aussi en Europe, j'irai aux États-Unis où je visite les usines, je passe du temps avec les équipes commerciales, je fais un point avec les marketeurs, je vais voir les équipes de développement, donc les différentes ingénieries, pour voir quels sont les modèles qui se préparent. J'écoute beaucoup, je discute avec des gens de tous les niveaux de la hiérarchie de Nissan parce que je veux comprendre ce qu'elle est, selon eux, les forces et les faiblesses de leur entreprise. Et c'est parce que souvent, en écoutant les gens à l'intérieur de l'entreprise, que vous avez les clés de tous les problèmes qui se posent à cette entreprise. Et je veux donc vraiment ne rater aucune de ces clés avant le 1er juillet. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question, c'est parce que de vos propres mots, vous avez dit, vous avez estimé que votre objectif était de faire de Nissan une entreprise profitable dès l'an 2001. C'est pour cela, enfin, je voulais savoir c'est quoi votre plan d'action, votre plan de stratégie, votre stratégie d'action, votre plan de travail. Oui. Écoutez, je pense que le souci de faire de Nissan une entreprise profitable dès 2001 est pour l'instant plus un souci et un souhait que le résultat d'un plan. Parce que le plan n'est pas encore prêt. Je dirais, on ne peut pas écrire un plan avant de bien connaître l'entreprise. Donc pour l'instant, on est dans une phase d'immersion. On s'est donné un peu comme un objectif premier, pas ultime. Premier, d'être positif, de rebasculer dans le positif en 2001. Cette immersion se fait sans idée préconçue. Nous construirons un plan de redressement au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant au cours des trois premiers mois, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Et j'espère qu'au salon de Tokyo, ou un petit peu avant le salon de Tokyo, qui se passe en octobre 1999, j'aurai l'occasion d'annoncer un plan de redressement pour Nissan avec des engagements, hein, cette fois des engagements, pas des souhaits, concernant l'ensemble de l'équipe de direction de Nissan. C'est pour bientôt alors? C'est pour très bientôt. Donc ce soir, on ne peut rien divulguer? Pour l'instant, on ne peut rien divulguer. Je dirais, je suis d'autant moins bien placé pour le divulguer que je ne sais pas moi-même ce qui va être annoncé en octobre, puisque je suis dans une période, comme je vous l'ai dit, d'immersion, de découverte, mais ça devrait aller assez vite. Carlos Ghosn, il est vrai que Renault se distingue par ses qualités de design et de construction. Et Nissan se particularise par ses moteurs et transmissions. Il est encore plus vrai que le Japon apporte ses importations aux États-Unis, en Asie, et la France offre ses positions en Europe et en Amérique latine. Mais cependant, l'osmose entre ces deux compagnies, ou disons la synergie, sera-t-elle acceptée? C'est-à-dire, comment allez-vous mettre en phase deux entreprises évoluant dans deux contextes économiques différents, dans deux univers managériaux tout à fait antagonistes? Comment ça va se faire? Écoutez, moi je pense que le secret de la synergie, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez l'entreprise dans une situation où vous dites celui qui est différent de vous est celui qui va vous apporter le plus, parce que c'est là où vous allez être surpris, c'est là où vous allez voir des choses complètement différentes, des méthodes, des états d'esprit, des façons de procéder totalement différentes par rapport aux vôtres, et c'est celui qui va vous enrichir le plus. Donc je dirais que c'est dans cet esprit que se fait l'alliance Nissan-Renault. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de synergie avec une entreprise qui aurait été très proche de Renault, ou une entreprise qui fait la même chose que ce que Renault fait. Parce que là, au contraire, c'est là où vous risquez d'avoir beaucoup d'antagonisme. Pourquoi? Parce que finalement, c'est celui qui vous est le plus proche, hein, que vous redoutez le plus, ou celui vis-à-vis duquel vous avez le plus d'hostilité. Par contre, celui qui vous est très différent, eh bien, à partir du moment où vous prenez la peine de dire
finalement, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette aventure? Eh bien, vous arrivez à en extraire beaucoup de substance. Je vous donne un exemple. Renault voit dans l'alliance avec Nissan la possibilité de passer à une autre échelle. Renault, tout d'un coup, rentre dans les 5 premiers constructeurs mondiaux, alors que jusqu'à maintenant, Renault était 10e constructeur mondial. Renault passe d'un statut européen à un statut de constructeur international. Nissan voit dans l'alliance de Renault quelqu'un qui vient à l'aide à un moment où Nissan fait, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, sur les 8 dernières années, 7 années de résultats négatifs et une situation de dette absolument insoutenable, faisant courir le risque à l'entreprise d'un credit crunch, c'est-à-dire de ne plus trouver suffisamment de financiers qui soient capables de soutenir leur activité. Donc il y a un intérêt pour chacun dans cette opération. Si nous continuons cet esprit dans lequel on dit finalement cette alliance, elle est faite pour que chacun profite de l'autre, profite dans le bon sens du terme, voit ce que chez l'autre, ce qui chez l'autre mieux fait, et donc l'adapte chez lui, eh bien nous en sortirons une entreprise extrêmement enrichie. Si par contre, on se met dans une situation où on se focalise sur le clash culturel, sur les différences, etc., on parle des différences beaucoup plus que des complémentarités, alors c'est fichu. Or, je ne pense pas que ni Renault, ni Nissan ne sont engagés dans cette opération avec un esprit de différence. L'esprit est un esprit de complémentarité, de dire, ben, finalement, il faut qu'on se tienne par la main et que chacun essaye de profiter des expériences et des forces de l'autre. Carlos Osson, vous êtes rapide, c'est ainsi qu'on vous qualifie, vous êtes entreprenant et précis. Les Japonais, par contre, sont enfermés dans un monde social qui ne favorise pas la rapidité de l'action, de la décision. Alors, quel mode allez-vous adopter? Quel mode de conduite allez-vous implanter? Écoutez, je pense que dans chaque pays, moi j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, et dans chaque pays, il y a des forces et il y a des faiblesses dans chaque culture. Moi, je regarde surtout les forces des Japonais. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et dans les forces des Japonais, il y a quand même un élément qui est important. C'est vrai que la période de maturation des décisions est plus longue qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. C'est très vrai. Mais, une fois qu'une décision est prise, l'exécution est remarquablement plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de discussion. Bon, vous savez très bien qu'en France ou dans les pays latins, quand une décision est prise, c'est là que la discussion commence, quoi. Donc, effectivement, vous risquez de perdre beaucoup de temps, parce que chacun a son avis sur la façon dont le problème, dont le problème devrait être résolu, alors que la décision a été prise. Au Japon, il n'y a pas de ça. Il y a beaucoup de discussions en amont, il y a une réflexion qui peut être qualifiée comme étonnante, mais derrière, l'exécution est remarquable, et l'exécution est rapide. C'est ce qui a fait la force de l'industrie japonaise. Donc, moi je dirais, je ferai très attention à ce que ces phases de maturation soit des phases de communication. Il ne s'agit pas que l'un aille beaucoup plus vite que l'autre. Il s'agit vraiment qu'on aille tous à une vitesse moyenne suffisante pour l'entreprise. Mais surtout, l'un des points qui me paraît excellent et qu'il faudra qu'on adapte à l'ensemble, je dirais, du système Renault-Nissan, c'est la rapidité et la précision de l'exécution à partir du moment où une décision est prise. Vous avez le don de parler. Est-ce que vous avez également le don d'écouter? Je ne sais pas si j'ai le don de parler, mais je sais que, quelle que soit la façon dont je parle, elle se nourrit dans l'écoute et dans l'observation. Si vous n'écoutez pas... Moi, je pense que c'est l'un de vos points les plus forts. Je laisserai le soin aux gens qui m'entourent de vous en parler. Moi, je suis très mal placé, si vous voulez, pour vous en parler. Mais je dirais que l'écoute et l'observation, c'est s'il y a un élément, un seul, à maintenir et à avoir vraiment incrusté en soi-même dans l'industrie et dans l'entreprise, c'est l'écoute et l'observation. C'est fondamental. Si on ne sait pas écouter les autres, si on ne sait pas observer les faits, on n'a aucune chance, de tirer dans le cadre d'une entreprise tout le potentiel de cette entreprise. Ce sont deux éléments absolument fondamentaux dans notre activité, dans notre fonds. Ça ne m'étonne pas du tout le fait que vous puissiez hypnotiser ou magnétiser les Japonais et votre façon de persuader. Et votre force de persuader les autres. Eh bien, écoutez, j'espère que vous anticipez sur ce qui se passera, je l'espère. Carlos Osson, le tandem franco-nippon, donne naissance aujourd'hui au 4e groupe mondial. C'est ce que vous venez de dire. Alors, vous allez venir après General Motors, Ford, Toyota, et vous allez devancer Volkswagen, Daimler et Chrysler. Alors, Renault espère, c'est son rêve, de revenir aux États-Unis, de s'y implanter pour la 3e fois.
après trois tentatives. La première, c'était il y a 40 ans, et depuis 87, Renault n'était plus sur le territoire américain. Alors, pensez-vous que ce rêve va être enfin accessible et réalisable? Mais je dirais, d'une certaine manière, il est réalisé aujourd'hui, puisque, si vous voulez, à partir du moment où on est dans l'esprit d'une alliance entre Renault et Nissan, et que cette alliance, finalement, elle va se renforcer dans l'avenir. Les deux entreprises vont être de plus en plus proches. Eh bien, Renault, d'une certaine manière, est présent en Amérique du Nord par l'intermédiaire de la marque Nissan. Nissan, aujourd'hui, a près de 4% du marché américain, a une part de marché beaucoup plus forte au Mexique. C'est l'une des marques les plus connues. Et je dirais, l'objectif de Renault, aujourd'hui, c'est d'aider Nissan à renforcer sa présence sur le continent nord-américain. Voilà. Donc, je dirais que c'est le groupe. C'est le groupe Renault, aujourd'hui, a les yeux rivés sur la réussite de la marque Nissan en Amérique du Nord. Il faut que tous nos efforts aillent dans le sens du renforcement de cette marque et de mettre sur le continent nord-américain des produits de plus en plus innovants et dans des meilleures conditions, de plus en plus compétitives. Vous avez dit que le 27 juin, vous allez prendre officiellement vos fonctions au Japon. Le 1er juillet, vous serez enfin dans votre bureau avec votre équipe de travail, votre état-major. Et pour le moment, vous êtes dans une période d'immersion totale, une période de 3 mois, où vous essayez de sillonner Tokyo, les usines, un peu partout, pas uniquement au Japon. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Mexique, c'est ça? Alors, dites-moi, est-ce que vous vous sentez prêt aujourd'hui à assumer cette tâche? Écoutez, d'une certaine manière, si je vais vous répondre par quelque chose, je ne serai jamais prêt. Je serai jamais prêt. C'est-à-dire, jamais je vais vous dire, ça y est, j'ai tous les éléments nécessaires pour diriger cet emploi. Jamais. Parce que dans des postes comme ça, vous apprenez tous les jours. Tous les jours. Et quelque part, le travail d'un entrepreneur, c'est un travail qui est toujours incomplet. Vous avez toujours envie de faire plus, vous avez toujours envie de compléter. Vous prenez un certain nombre de décisions, mais vous savez, les décisions ne se prennent jamais avec 100% des éléments clairs devant vous. Vous prenez des décisions parfois avec qu'une partie des éléments qui sont clarifiés, et vous êtes amené à faire évoluer, si vous voulez, ces décisions. Donc, je ne serai jamais prêt. Maintenant, il y a un moment où il faut être prêt, il faut faire avec le temps. Moi, je fais avec le temps qui m'est donné, et aujourd'hui, mon calendrier est très simple. 1er juillet, je suis Chief Operating Officer de Nissan, donc directeur général de Nissan. Et il faut qu'au plus tard au salon de Tokyo, le plan de redressement de Nissan soit prêt. Et ce plan m'engagera, ainsi qu'engagera l'ensemble de mon équipe, l'ensemble de l'équipe Nissan. Mais êtes-vous prêt à épouser votre nouvelle situation? Si finalement votre question est de dire est-ce que je suis anxieux, est-ce que je suis... Ou pas du tout. Je suis très content, je suis très enthousiaste, si vous voulez, de la mission que j'ai. C'est un enthousiasme essentiellement, je dirais, professionnel. Parce que je me rends compte que j'ai une opportunité qui est assez exceptionnelle. Comme vous avez l'occasion de mentionner, moi j'ai travaillé, c'est le quatrième continent où je vais travailler, enfin, le continent asiatique, et pas dans n'importe quel pays, au Japon, qui est quand même l'un des pays qui a le plus contribué à l'évolution industrielle de ces dernières années. Donc je le considère comme étant une chance, et je compte bien la saisir. Alors, clair, précis, entreprenant, loin d'être anxieux, rationnel, scientifique, convaincant, le don de parler, c'est comme ça qu'on peut résumer Carlos Ghosn. Notre conversation ce soir avec lui est toujours à ses débuts. Nous avons encore deux parties. On va les attaquer juste après cette pause publicitaire et c'est avec nous. Troisième partie de l'émission de ce soir, Maria ce soir, c'est Maria de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, je ne sais pas, chez vous au bureau, on vous appelle Carlos Ghosn. Pourquoi? Ben, vous savez, d'abord, pour plusieurs raisons, le nom est venu des États-Unis parce que le Ré est très difficile à prononcer et le S est aussi encore plus difficile à prononcer. Donc les Américains ont utilisé le terme Ghosn. Monsieur Ghosn. Oui, c'est ça. Et donc, c'est venu avec moi, quoi, en Europe. Donc, c'est Ghosn. Alors qu'en général, tous ceux qui ont le même nom que moi, c'est plutôt Ghosn, en français. Voilà, c'est la raison. Mais ce soir, vous êtes Carlos Ghosn. OK? D'accord. Dans cette partie, nous allons essayer de mieux comprendre le cerveau derrière ces opérations et défis. Pour cela, nous allons remonter à vos années de formation académique et professionnelle, ces années essentielles et cruciales, bien entendu, pour n'importe quel être humain, parce que durant ces années, en les analysant, on arrive à définir le raisonnement de la personne, on arrive à forger le sens de son analyse, on arrive à comprendre ou bien à assimiler sa formation, la formation de sa stratégie d'action.
Alors, en suivant votre itinéraire, nous pouvons peut-être comprendre l'évolution que vous avez connue et vécue. Élève de Jamhur, vous avez vécu la discipline jésuite, une discipline contestée parfois, qui cerne un caractère bien particulier et défini, où réside l'empreinte de Jamhur dans l'intérieur de Carlos Ghosn. Écoutez, je ne sais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que finalement, s'il y a une ou deux choses que je retiens de ma scolarité, c'est d'une certaine façon, c'est un certain sens de la discipline et de l'effort. Je me rappelle, on partait très tôt le matin, on revenait tard le soir, on avait beaucoup d'heures d'études. Et ça, c'était un système qui était conçu, qui nous poussait à une certaine discipline et à un sens de l'effort. Et puis, deuxièmement, un sens de la compétition, mais pas d'une compétition acharnée, quoi, d'une compétition saine. Hein. C'est-à-dire, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même dans cette compétition. Voilà au moins deux choses. Je suis sûr que Jamhur m'a apporté beaucoup plus que ça, mais voilà deux choses dont je puisse parler. À Paris, vous faites l'école polytechnique, plus tard, l'école des mines de Paris, avant de recevoir la maîtrise en économie à l'Université de Paris. La polytechnique est synonyme de génie, les mines, c'est le danger, l'économie, c'est le pouvoir mondial. On dirait que vous amalgamez ces trois, que vous alliez ces trois, puisqu'on parle de alliance. Mmh. Alors le génie, le pouvoir, le danger ou le risque, dites-moi, quel côté est le plus prédominant chez vous? Écoutez, je ne sais pas, j'aime pas tellement le danger ni le risque, j'aime les opportunités. Mais je suis prêt pour saisir ces opportunités à prendre un certain nombre de risques, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime les risques, hein, mais ça veut dire que pour pouvoir tenir les opportunités, je suis prêt à prendre un certain nombre de risques. Alors, vous avez parlé du pouvoir, je ne sais pas, il y a des gens qui ont du goût du pouvoir, moi je ne pense pas que je l'ai, mais j'ai une passion pour la relation avec les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un... sur le plan professionnel, je ne suis pas du tout un solitaire. J'aime travailler en équipe, j'aime, je dirais, faire progresser une équipe, progresser moi-même et faire progresser une équipe. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'une certaine manière, j'aime bien faire jaillir je dirais, dans les gens qui m'entourent, le meilleur d'eux-mêmes, parce que je sais qu'en faisant ça, en même temps, je m'aide à me surpasser. Donc voilà, voilà un petit peu mes sens. Alors, est-ce que ça, c'est le pouvoir? Je ne pense pas. Je suis plutôt un homme de contribution, je suis d'une certaine manière, et je ne suis pas du tout sur le plan professionnel un solitaire. Mm-hmm. Carlos Ghosn, vous rentrez chez Michelin, vous aviez 24 ans, vous étiez certainement avide d'ambition, vous étiez prêt à tout faire, et vous vouliez grimper l'échelle ou la pyramide sans ruer les étapes, graduellement. Alors d'un chef, un directeur, un responsable, des étapes cruciales, additives, qui vous ont certainement permis d'évoluer. Votre tout début chez Michelin, qu'en reste-t-il? Est-ce que vous pourriez les résumer? Écoutez, mes tout débuts chez Michelin, ce qu'il m'en reste, c'est un profond respect pour les faits. Quand je suis rentré, à un certain moment, Michelin m'a proposé de rejoindre l'entreprise, on m'avait parlé de la recherche et du développement. J'ai tout de suite dit non, je me suis dit, je veux surtout aller dans le monde de la production, pour deux raisons. Parce que c'est là où le produit se fait et c'est là où les hommes se trouvent. Donc je dirais là vous retrouvez d'un côté l'importance du produit et les relations avec les hommes. Donc j'ai commencé dans la production. Et dans la production, je n'ai pas commencé comme directeur d'usine. J'ai commencé malgré le fait que j'avais toute une ribambelle de diplômes. Et vous savez très bien que le système français privilégie souvent une certaine catégorie de diplômes. J'ai commencé comme ouvrier. J'ai passé plusieurs mois comme ouvrier, j'ai passé plusieurs mois en tant que chef d'équipe, j'ai passé plusieurs mois en tant que technicien qualité, donc finalement j'ai eu pratiquement 3 ans sur le terrain, dans différentes usines, dans différents pays en Europe, essentiellement à tâter le produit, à le comprendre et surtout à observer les relations entre les hommes dans les usines ou entre les usines et leur environnement. Ça a été une période inoubliable parce que c'est finalement là où vous observez toute la différence entre la réalité et d'une certaine manière tous les concepts que vous avez pu accumuler pendant votre période scolaire ou universitaire qui sont souvent très différents de la réalité. La réalité est évidemment beaucoup plus riche et c'est elle, c'est parce que vous, je dirais d'une certaine manière, vous accrochez à cette réalité, c'est elle qui vous permet vraiment d'innover et de trouver des chemins
de la croissance et du succès de l'homme. Vous avez été désigné chef de fabrication. Par la suite, le second poste fut directeur d'usine. Alors, comment vous avez dirigé cette usine? Alors, écoutez, c'était, j'étais directeur d'usine au Puy, dans la région donc de la Haute-Loire. C'était un poste qui m'a passionné. Il y avait 600 personnes dans cette usine. C'était la dernière année des usines Michelin. J'ai passé 2 ans et demi. J'avais 27 ans. Je dirais que c'était un job passionnant. J'ai beaucoup appris personnellement et d'une certaine manière, je me suis vraiment donné un fond dans ce job. Au bout de 7 ans, vous êtes nommé directeur du leader mondial au Brésil. Vous aviez 31 ans. Une tâche très difficile. Quand vous l'avez menée? Écoutez, au Brésil, moi je souhaitais y retourner. Quand je suis rentré chez Michelin en 1978, je pensais y retourner un an après. Finalement, j'ai passé 7 ans dans le cadre du groupe, parce que probablement Michelin voyait en moi plutôt un potentiel de carrière internationale qu'une carrière strictement brésilienne. 1985, je suis rentré au Brésil, c'est une période faste au Brésil. J'ai passé 4 ans, de 85 à 89, parce que à ce moment-là, fait un petit rappel historique, les militaires étaient en train de céder le pouvoir aux civils, vous aviez une inflation qui, à un certain moment, a dépassé les 1000%, vous aviez, je pense qu'en 4 ans, on a dû connaître 6 ministres de l'économie et des finances et peut-être 4 plans de stabilisation, donc je dirais, l'environnement brésilien était bouillonnant. Dans une entreprise Michelin qui venait de s'implanter au Brésil, il y avait tout ce qu'il fallait pour rendre le job absolument intéressant. Une chose que j'ai appris au Brésil, c'est l'importance de la vitesse. Quand vous avez une inflation à plus de 1000%, que les événements se succèdent les uns après les autres, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de temps pour la réflexion et encore moins de temps pour l'exécution. Et c'est là où vous vous rendez compte que la vitesse, ce n'est pas une notion abstraite, c'est quelque chose qui est très concret et qui, si vous ne l'avez pas, peut se traduire par des résultats négatifs ou par des événements dramatiques pour l'entreprise de manière très concrète. Au Brésil, j'ai appris la vitesse. Au bout de 5 ans, vous portez, on reste toujours finalement dans l'itinéraire, on essaie de le décrire, on essaye de le vivre ensemble. Au bout de 5 ans, vous partez à la conquête de l'Ouest en prenant la tête des activités nord-américaines et fabricants de pneus. Cette étape vous fit valoir le titre de coupeur de tête. Pourquoi ce totem? Pourquoi vous avez été baptisé ainsi? Et par quoi se distingue cette étape? Écoutez, moi, je suis parti, effectivement, j'ai quitté le Brésil en 1989 et j'ai été m'installer à Greenville, aux États-Unis, en tant que patron de Michelin en Amérique du Nord. Et en 1990, l'opportunité de l'acquisition d'Unie Royal Goodrich, qui était un des compétiteurs de Michelin, s'est présentée et Michelin l'a fait. Donc, mon rôle a été de restructurer cet ensemble pour en faire une entreprise extrêmement compétitive en Amérique du Nord. Alors, c'est une sorte d'alliance également. Oui, une alliance, mais je dirais là, c'était vraiment une acquisition puisque c'était Michelin qui reprenait l'ensemble des actifs d'Union Royal Goodrich. Vous savez très bien que ce genre d'opérations ne se font pas sans restructuration. La restructuration s'est faite en Amérique du Nord, elle s'est faite de manière, je dirais, très professionnelle, malheureusement avec beaucoup d'usines qui ont dû être fermées compte tenu du fait que on ne pouvait pas trouver une place et une mission pour l'ensemble des usines de Michelin et de Union Royal Goodrich sur le continent nord-américain. Et donc à partir de ce... Mais ça s'est passé, je dirais, d'une certaine manière dans l'ordre. Et surtout, l'un des points les plus importants, c'est que de 1990 à 1994, le temps qu'a duré cette restructuration, a émergé une entreprise beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus compétitive, beaucoup plus performante que ce qu'il y avait avant. Carlos Rosson, durant cette période, on vous confie la formation, ou plutôt la responsabilité de former Édouard Michelin, le fils de François Michelin. Alors pourquoi c'était vous qu'on avait désigné, et comment en une courte période, relativement courte, on arrive à former quelqu'un, comment on forme en général? La formation... Je pense que c'est un grand mot. C'est vrai qu'Édouard Michelin m'a rejoint en tant que membre de l'équipe nord-américaine dont j'avais la charge. Alors, tout le monde en a déduit que c'était une formation. C'est un point de vue. Il est venu en tant que membre d'une équipe. Il a joué son rôle dans le cadre de cette équipe.
comme tout un chacun, il a donné, il a reçu. Et effectivement, ça a duré 2 ans et demi. Et après, il est reparti dans le cadre du groupe qui porte son nom pour diriger ce groupe. Sur les règles convenables. Ah oui. Non, mais je dirais que ça s'est très bien passé. Avec Michelin, vous avez tourné l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les trois marchés respectifs sont naturellement différents. Alors, comment vous pourrez cerner les points de similitude entre ces trois marchés, entre ces trois points, ces trois régions-là, et quels sont les points de différence entre eux? Écoutez, si je devais... ça c'est une grande et vaste question que vous me posez. Ce que je peux vous dire, c'est que, concernant l'Europe, c'est un continent que je connais particulièrement bien, surtout sous l'angle français, puisque j'ai fait toutes mes études en France et que jusqu'à maintenant, je n'ai travaillé que dans des entreprises françaises. Donc, je dirais, c'est un peu ma base, quoi, la France. Au Brésil, c'était un pays en plein développement, en plein boom, en plein questionnement, en pleine interrogation. Ça a été le cas de l'Amérique du Sud pendant plusieurs années, quoi. C'était un point très différent de l'Europe. L'Europe qui était beaucoup plus stable, qui, tout en se cherchant, avait des bases extrêmement solides. L'Amérique du Nord, pour moi, ça a été essentiellement la grande découverte que j'ai faite en Amérique du Nord. Enfin, c'est pas une découverte, c'est un point plutôt d'approfondissement. C'est le sens du client et le sens du service. Les Américains sont vraiment, par rapport aux Européens et par rapport aux Sud-Américains, voire par rapport à d'autres, les plus orientés clients. Vraiment, ils essaient de s'inspirer au maximum de leurs clients pour essayer, à partir de cette inspiration, de modifier leur entreprise. Et ce sont des gens qui ont un sens du service, ou je dirais un devoir du service, qui est probablement le plus élevé de tous les pays que j'ai connus. Donc ce sont des... Ce sont des choses très différentes, mais en même temps très complémentaires. Et dans chaque pays, pour peu qu'on prenne le temps d'y vivre en l'aimant, on y apprend beaucoup. Et maintenant, voilà, c'est la découverte d'un nouveau continent, c'est la découverte d'une nouvelle culture, c'est la découverte de nouveaux pays, d'une nouvelle mentalité, bien entendu. Oui. Alors vous amalgamez toutes les cultures du monde, vous êtes devenu mondial. International. Ouais, je ne sais pas si c'est un amalgame, mais c'est vrai que, bon, d'une certaine manière, quand on est revenu en France... Vous portez toutes les cultures en vous. Ouais, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, quand je dis nous, parce que ce n'est pas une question personnelle, c'est aussi une question de famille. C'est mon épouse, c'est mes enfants. Nous avons apprécié, nous avons aimé tous les pays dans lesquels nous sommes passés. Nous avons appris à les aimer, quoi, d'une certaine façon. Et c'est parce que quand vous aimez le pays, que vous absorbez toute la richesse qu'il vous apporte. Nous partons au Japon, alors que vraiment c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Nous n'avons jamais pensé qu'un jour nous irions au Japon, certainement pas dans les circonstances comme directeur général d'un des grands constructeurs japonais. Mais quand on était venu en France, on pensait vraiment que si ce n'était pas la fin du parcours géographique, ça y ressemblait vraiment. Mais vous savez, y a une formule américaine que j'aime beaucoup qui dit... je vais traduire derrière, life is what happens after you have planned for something else. C'est-à-dire la vie, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe quand vous avez planifié pour quelque chose de différent. Or, effectivement, ça n'a pas arrêté, quoi. Depuis un certain temps, on planifie toujours un certain cours des choses. Et la vie que nous avons eu à vivre a été tout à fait différente de ce qu'on a eu à planifier. Pour le Japon, je le mets dans cette catégorie, mais en même temps, nous y allons je dirais les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et avec vraiment la volonté d'apprendre et d'absorber un maximum de choses. Et parfois également les yeux bandés. Non, on ne va jamais les yeux bandés. Je dirais d'une certaine manière, on est toujours guidé par une vision. Si ce n'est pas une vision physique, elle est interne. Mais on ne va jamais se tromper, c'est vrai. Ouais. On peut se tromper, mais vous savez, d'une certaine manière, ça dépend où sont vos objectifs. Si votre objectif, c'est de vous enrichir d'une certaine manière et d'apprendre, vous ne vous trompez jamais dans la découverte d'un nouveau pays. Vous pouvez vous tromper sur des choses strictement opérationnelles. Mais en tant qu'enrichissement personnel, c'est rare. Tout à fait d'accord. Carlos Rosson, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce grâce à Michelin? Je ne sais pas répondre à cette question parce que si vous voulez répondre à cette question, ça veut dire qu'est-ce que en vous c'est une façon de
c'est une façon de dire je sais me compartimenter, quoi. Je sais dire quelle est la partie qui est Michelin, quelle est la partie qui est Renault, quelle est la partie qui est Liban, quelle est la partie qui est Brésil, quelle est la partie qui est ceci. Je ne sais pas dire ça. Je suis comme je suis, j'ai absorbé beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. C'est sûr que Michelin m'a beaucoup apporté. Je ne le nierai pas. Jusqu'à quel point, je ne le saurai jamais, quoi. Mais peut-être que vous êtes meilleur juge que moi, hein, puisque vous êtes un observateur extérieur. Très difficile de répondre à votre question. Carlos Osson, tout récemment, vous avez fait votre première apparition à la télévision japonaise. Ouais. Dites-moi, comment a été l'impact de cette apparition? Alors écoutez, on m'a dit, quand effectivement, M. Koumé, hein, qui est l'un des grands animateurs de télévision japonaise, il est, paraît-il, redouté. Il était redouté par l'ensemble des gens du business, des entreprises. Et il paraît que j'étais la première personne qui avait accepté son invitation pour paraître en direct sur la chaîne de télévision Asahi, qui est l'une des chaînes de télévision japonaise les plus connues et les plus populaires. Et finalement, moi je considère que l'émission s'est très bien passée. Les quelques échos que j'ai eus du public étaient positifs parce qu'elle était décontractée. C'est sûr, il a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il a essayé de poser des questions qui n'étaient pas toujours très accommodantes. J'ai essayé de répondre de la manière la plus honnête possible. Et tout ça, ça a fait un mélange qui manifestement a plu au public et au public japonais. Et qui m'a valu des tas d'articles de journaux, notamment du Herald Tribune ou d'un certain nombre de médias américains et avec européens. Avec une photo ça, finalement, il a su passer son épreuve. Moi, vraiment, ce n'est qu'après l'émission que je m'étais aperçu, en lisant la presse, que c'était une épreuve. J'y allais à cette émission de la manière la plus naturelle possible, reconnaissant quand même que l'homme avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup d'esprit, mais en même temps, j'avais un message. Oui, non, mais j'avais un message tellement clair que vraiment, je redoutais pas grand-chose. En lisant ces articles dans le Herald Tribune, est-ce que votre photo était votre photo? Non, ils se sont trompés de photo, mais enfin, ça fait partie des élucubrations médiatiques. Carlos Rosson, justement, en parlant de télévision, vous avez dit que, comment il s'appelle l'animateur qui vous a interviewé? Koumé. Monsieur Koumé. Est-ce que le dialogue qui a été fait en anglais, en français, en japonais? Non, il parlait en japonais. Moi, j'avais une sorte de petite oreillette avec une traductrice qui me traduisait ce qu'il disait, et moi je parlais en français, et elle lui traduisait ce que je disais. Ça s'est très bien passé, sauf que quand il posait la question, moi j'avais quand même un certain temps avant de donner la réponse, donc ça faisait un petit peu jeu mécanique, mais sinon il n'y a pas eu de malentendu, les traducteurs étaient très bons. Mais il paraît qu'aujourd'hui vous êtes en train de suivre des cours japonais, c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui. Et on vous appelle, les profs vous appellent le génie, le petit génie. Oui, non mais enfin ça c'est je dirais, la pauvre prof de japonais, je l'imagine, si effectivement elle a été interrogée par la presse en disant, mais finalement vous avez un étudiant qui s'appelle un tel, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise à la presse? Carlos Osson, ce soir vous faites votre première apparition auprès du public libanais. Alors, à votre avis, comment serait l'impact de cette émission? Ah ben, je ne sais pas, moi, c'est plutôt moi à vous poser cette question, parce que vous connaissez votre public beaucoup plus que moi. On m'a dit beaucoup de bien de votre émission, en disant qu'effectivement, le public qui regardait cette émission était vraiment le public que, personnellement, je suis été touché, en donnant une expérience de quelqu'un qui... tout en ayant passé beaucoup d'années au Liban, étant d'origine libanaise, je dirais devient un citoyen du monde. On va s'arrêter encore une fois avec une pause publicitaire. Ça va être la toute dernière et puis par la suite, nous allons clôturer notre émission qui s'intitule Maraya, avec vous, Carlos Osson. Amis téléspectateurs, ce soir, nous sommes en train de recevoir le directeur général adjoint de Renault, le directeur général de Nissan, Carlos Osson, d'origine libanaise. Avec nous, nous sommes en train de refléter son parcours, son itinéraire, nous sommes en train de parler d'automobile, nous sommes en train de parler économie plutôt, industrie de l'automobile, nous ne sommes pas en train de parler aspect extérieur. Je sais très bien que les autos pour les Libanais, c'est quelque chose de très important, mais ce soir, on essaye d'aller ou de nous intégrer un peu plus dans la profondeur des choses. Alors, on va s'arrêter avec une pause publicitaire, et puis par la suite, on va clôturer ensemble. Restez avec la toute dernière partie de Maraya ce soir avec Carlos Rosson. Bonsoir encore une fois. Alors, Carlos Rosson, vous êtes d'origine libanaise. Vous êtes né au Brésil, vous considérez citoyen du monde. Votre identité est-elle plus proche du Liban que du Brésil, ou vice-versa?
Écoutez, très difficile de répondre à cette question. J'ai des origines libanaises qui sont marquées. J'ai vécu un grand nombre d'années au Liban. J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont encore au Liban. Quand j'arrive au Liban, je ne suis pas dépaysé. D'un autre côté, au Brésil, alors pas dire ça de l'ensemble du Brésil, mais il y a un certain nombre de régions du Brésil qui me sont très familières, où j'ai vécu, où j'ai une partie de ma famille qui vit aujourd'hui, qui m'est aussi très familière. J'ai vécu aux États-Unis, je ne peux pas dire aussi que je suis très familier avec l'ensemble des États-Unis, mais il y a un certain nombre de régions aux États-Unis où j'ai vécu, qui me sont aussi très familières. Donc je dirais, je suis plutôt proche d'un certain nombre de régions que je connais bien, avec lesquelles j'ai vraiment partagé beaucoup de choses, que je dirais d'une certaine manière j'ai intériorisé. Alors, comme le Liban est tout petit, je dirais c'est tout le Liban qui est en moi, quoi. Le Liban, vous ne pouvez pas le diviser en plusieurs régions, hein. C'est tout le Liban qui est en moi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays et de régions auxquelles je suis attaché, où j'ai beaucoup appris et qui font partie de moi. Je présume que le public ce soir se demande pourquoi cette émission a été faite en français et non pas en arabe. Oui. Pour la simple raison, c'est qu'il y a des mots techniques que vous préférez dire en français et vous est difficile de vous exprimer en arabe. En parlant de technicité, en parlant surtout du plan professionnel ou du côté professionnel de Carlos Rosson. Alors dans cette partie, ce que nous allons faire, nous allons parler en arabe. Qu'est-ce que vous en pensez? من مناطق معينة أكثر منك قريب من بلدان معينة سواء كنت بالبرازيل الولايات المتحدة الأمريكية بفرنسا أو بلبنان. خلينا بهالقصة ما هيدا ركز على لبنان. طبعا نحن لبنانيين وفي عنا شيء اسمه شوفينيسم، يعني حب الانتماء لبلدنا، متعصبين لبلدنا. طبعا إذا في لبناني بيكون ناجح بينجح برات لبنان نعتز فيه نفتخر فيه، وبهمنا أنه نرده لهالبلد عبر اعترافه بمحبته وبانتمائه لهالبلد اكثر من اي بلد ثاني. بلبنان شو هي المناطق او الضيعة او القرى اللي بتحن لها واللي تعتبرها جزء منك بتتذكرها وتبصر لك وقت تتذكر؟ لبنان بلد صغير، يعني ما بتشبه لبنان على البرازيل وعلى امريكا. بالبرازيل اذا عم بقول انه في مناطق بعرفها منيح، لبنان بعرفه كله، زرته كله. هلا في مناطق بعرفها اكثر من غيرها، ومثل ما بتعرف انا صار لي شي 30 سنه ترك لبنان. مع انه كل ثلاث اربع سنين عم جرب ارجع على لبنان وكفي اكتشافي من لبنان، بقى في مناطق بعرفها اكثر من غيرها، هي المناطق اللي رح احكي عنها، مش معناتها انه هيديك ما بحبها، بس لانه ذكرتي منها اما معرفتي منها سطحيه. بقى بيروت، كل منطقه المتن، بيت مري، برمينا، العبديت، بكفيا، منطقه كل جبال كسروان من عجلتون الى ريفون الى فيترون. في ضيعه كمان بالشمال، هي ضيعه جده، نزياره، اهدين، طرابلس، كثير زور طرابلس. وبعدين كل الجنوب، جنوب في منطقه، يعني كل مره كنت تروح على الجنوب منطقه كثير خصوصيه وكثير قريبه للقلب. يعني كل البقع بعلبك، كل لبنان، يعني ما لبنان صغير بس تشبه لبنان، بس تشبه لبنان ببلدان كالبرازيل، يعني تعتبرها مش بلد، تعتبرها منطقه، يعني جوات مدينه كبيره. كارلوس غصن، حكينا عن دراستك بالجمهور، طبعا حكينا عن التربية اليسوعية اللي تلقيتها عند الآباء اليسوعيين. بدنا نرجع شوي لورا، أنت من مواليد البرازيل، ليش خلقت بالبرازيل؟ العائلة أي متى تركت لبنان؟ أي متى توجهت واستقرت بالبرازيل؟ شو هي الأسباب اللي أخذتها لهونيك؟ بتعرف إنه كل اللبنانيين اللي تركوا على البرازيل تركوا لأنه ما كان عندهم مستقبل بلبنان، يعني حاجة اقتصادية، هيدي الحاجة الاقتصادية.
وراحوا على البرازيل، منهم راحوا على امريكا، منهم راحوا على افريقيا، بس ما حدا ترك، ما بفكر حدا ترك، ما بعرف حدا ترك، لانه كان عنده مستقبل بلبنان ورفض هالمستقبل بلبنان وترك الى الخارج. لبل هلا انا بعرف كثير اشخاص عم بيرجعوا على لبنان حتى اذا كان ما عنده مستقبل بلبنان، بقى بفكر انا كل اللي تركوا وبنيتهم اهلي وجدي وكلهم يعني هن اهل الشمال بشكل خاص توجهوا كلهم لامريكا اللاتينيه، لجنوب امريكا، اهل الشمال بشكل خاص. يعني بتلاقي في عندك فريق توجه الى فنزويلا، فريق توجه الى المكسيك، فريق توجه الى الارجنتين، وفريق توجه الى البرازيل، وانت منهم هون. اختلقت بالبرازيل باي ولايه، باي مدينه؟ انا اختلقت بمنطقه بتن روندونيا، بس كان دغري بالريو جانيرو، يعني مواليد ريو جانيرو. 4 سنين. 4 سنين رجعت من بعدها لبيروت مع الاهل، مع الوالد والوالد. عايش هون ببيروت. شو اشتغل الوالد؟ كان يشتغل بالتجاره، وتركت لبنان كان عمري 16 سنه. ينعش بلبنان 12 سنه. 12 سنه بجمهور، وتركت بس كان عمري 16 سنه. من وقتها يعني عملت عيشتي لوحدي. ذكرياتك بالجمهور هي طبعا مثل ما سبق وذكرت هي ذكريات بحت اكاديميه بحت او علميه فقط. كنت تروح صبح على المدرسه وترجع باخر النهار، كنت تقضي وقتك تدرس. مين هن اصدقائك بالجمهور؟ في ذكرياتك عن هالفترة هيدي، عن المرحلة هيدي؟ نعم، ذكريات بالجمهور كثيرة، لأنه هيدي يعني كل العمر اللي بروح من 4 5 سنين إلى 16 سنة هو هي المرحلة اللي الواحد بيتذكرها أكثر شيء. أصدقاء الطفولة وال يعني كل شيء منه ما له علاقة بالشغل وبالمصلحة. كان فترة البراءة بقى يعني ذكريات عندي كثير من الجمهور، وبعدين لهلا عندي علاقات مع اصحابي كانوا بالجمهور. بس ارجع لبنان برجع لبنان. مين اعز اصدقائك؟ فيك تسلم علي اذا بدك. مين؟ ما بعرف شو. كارلوس غصن، حكينا عن لبنان وفهمنا من حديثك انه متعلق طبعا بهالبلد هيدا، بضياع ومناطق وباصدقاء جمعتك فيهم فترة معينة من حياتك، بعدين انتقلت لبرا وعشت حياتك واخذت تجربتك مثل ما انت بدك. عرفت انك بلبنان بتحب كثير الاكل اللبناني، بتحب بشكل خاص الفوارغ او المقادم، مزبوط او لا؟ يعني فوارغ ومقادم ما بتقدر تاكلهم الا بلبنان، مشان هيك بس ارجع لبنان باكل بس مره كل 3 4 سنين ما بقدر بعتبره انه صحن مفضل. مش صحن المفضل، انا هيك سمعت هيك قالوا لي. لا بس مضبوط، بس اجى على لبنان دائما بياكل. الحرب اللبنانيه اللي طبعا هزت دمار الناس واللي حركت مشاعر كل العالم وخصوصا اللبنانيين واقاربهم بكل بلدان العالم، هل حسيت حالك معني فيها؟ هل كنت معني فيها؟ معلوم، ما الواحد ما بيقدر يشوف شو صار بلبنان والحرب والدمار والقتل ولا ما يحس حاله مدقور فيه. هلا انا بما انه ما عشت بلبنان بكل هالفتره، معرفتي من اللي صار بحرب لبنان كثير بسيطه وسطحيه، بس تاثرت كثير بحرب لبنان، لانه قد ما كان اصحابك وعائلتك وبلد انت معلق فيه كان عم يدمر، دونك حسيت حالي كثير مدقوق. هل بعرف عندك اقارب بلبنان؟ عندي مقارب شخصية، وعندي مقارب عائلتي، لأنه عائلتي بأمان مرتي، لأنه مرتي لبنانية. وصلنا لنحكي عن مرتك. طبعا أنت قلت أنك تركت لبنان وبدأت رحلة خاصة فيك، تجربة خاصة فيك، وتجربة نقلت من خلالها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان عديدة بأوروبا وحتى أمريكا الجنوبية. شئت ظروف أنك تلتقي بفتاة لبنانية اسمها ليتا رداحي ببيت صديق لإلك، فالتقيته مثل بيقولوا عنا في مثل دارج، فكان لقاء نظرة ولقاء وحب وزواج، وهيك صار. مرتك شو دورها بحياتك؟ كثير مهم، لأنه مثل ما بتعرف الواحد ما بس يكون مجوز وعنده عائلة ما بيقوى الا بقوه العائله، والشخص المهم بالعائله هي المراه، لانه
كتير متعلق بعائلتي ومعلق بمرتي وبولادي، وإذا ما كان عندي مرأوية وولاد يعني جرد فتحهم على العالم ما كنت حسيت لذة باللي عم بعمله. مين دب بقناعات الثاني؟ هل أنت دب بقناعات زوجتك أو زوجتك دب بقناعاتك؟ حسب الموضوع. طيب خلينا نصير السؤال بطريقة مختلفة، هل حياتك العملية اليوم بتتغلب على حياتك العائلية؟ لا بتتغلب لا، بس مثل ما قلت لك حظي انه دايما جابهنا الحياة الشخصية والحياة البروفيشنال المهنية العملية بزيت النظرة وسوا دايما سوا. هل هي مصدر قوي لإلك؟ معلوم. هل هي اليوم فرحة أن راح على اليابان؟ سألها سؤال، أنا بفضل إنك أنت تسألها سؤال، ما يعني تركنا أمريكا جينا على فرنسا، مضينا سنتين ونص بفرنسا، نرجع نترك على اليابان كانت شوي صعبة 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 عليها، بس أخيرا جدلنا كثير وحكينا كثير ورايحين رحلة مثلا. لحقتك كرمالك. كارلوس غصن في عندك أربع أولاد، كارولين، نادين، مايا وأنتوني. أولادك منحسهم في قراب منك، وأنت شخص على كل حال يمكن الصورة اللي تعطيها أنك إنسان جدي، لكنك بالحقيقة إنسان غير جدي أبدا. إنسان مرح جدا، تحب النكتة، صاحب النكتة، بتحب التمزح. وبينك وبين أولادك في علاقة صداقة يمكن بيطلعوا على ظهرك، بتلعب أنت وياهم. هم مهضومين كثير، منفتحين مثل ما قلت، وغريب يعني الواحد بحس حاله بيعرفهم من زمان، وفي عندهم شيء اسمه حشرية، يعني دغري بيسألوا دغري بيحكوا، وما عندهم شيء اسمه حق، يعني بيستحوا. أولادك بتشوفهم كثير؟ إيه، بجرب شوفهم قد ما بقدر يعني، بس هلا مضايقين شوي لأنه بنضلني رايح جاي على اليابان، بين اليابان وفرنسا مرحلة شوي صعبة. بس بالصيفية رح ينقلوا على اليابان وساعتها بنرجع زيت الحياة اللي كنا عايشينها قبل، يعني نمط الحياة. منطقي. هل بتحس انه حياتك اليوم هي عبء على اولادك وهن ضحايا هالنمط او الاسلوب الحياة الصعب؟ هن عم يتنقلوا مثل الغجر من بلد الى اخر، يعني ما عم يقدروا يعيشوا ببلد يتعودوا عليه يخلقوا اصحاب لهم الا بينتقلوا لبلد اخر والى وطن اخر. ما بفكر، انا بفكر انه هلا معقول يكون صعوبه، بس اخيرا هذا حظ، كل واحد بحياته بيجي حظ، وانا بفكر لاولادي انه عم بتنقل من بلد لتاني معقول مشكل شوية صعوبات، بس مشانهم ومشان مستقبلهم هذا حظ. على ذكر الحظ، هل انت انسان محظوظ؟ محظوظ بزواجي، محظوظ بعائلتي من غير شك، محظوظ على المستوى الشغل. لازم تنطر لك سنتين ثلاثه تشوف كيف قضيه نسان رح تخلص. كارلوس غصن انا بتشكرك، وانا بعتبر نحن محظوظين لانه في عندنا شخص لبناني بينتمي لهالبلد هيدا مثلك انت. كل انسان ناجح نجاحه بينعكس علينا، وكل انسان بيلمع برا كان احنا عم ننجح ونلمع من خلاله. انا بشكرك على المقابله اللي طبعا ادليتها او اعطيتني اياها، انا بعرف وقتك كثير محشور كان، وحاولنا نلتقى بوقت انت كنت بين طياره ثانيه وانا كنت بين طياره وطياره ثانيه، وزبطنا وقتنا والتقينا هون بالبيت عندك بضواحي باريس، بيت جميل. حرصنا ان هاللقاء يتم بكل عفويه وبكل طبيعيه، وهذا اللي صار. حكينا بالفرنسيه وحكينا بالاخر باللغه العربيه، كيف بتحب تختم، بالفرنسيه او بالعربيه؟ حسب شو الخاتم، اذا بتطلب مني ختم طويل رح احكي بالفرنساوي، بس اذا كان بس مشان اتشكرك وقول انه وين ما كنا لبنان دائما بقلبنا بقدر اقول بحبك، بس لا يمكن تقولها بالفرنساوي احسن. على سيرة الختم هو الطامبو، نحن نختم الختام وكلوتشوري. Alors, Carlos Gossin, ça fait un grand plaisir de vous avoir ce soir parmi nous. Ça a été une expérience de vous rencontrer et vous découvrir était également, pour moi, une expérience passionnante.
comme je vous ai déjà dit, vous possédez une force de convaincre et de persuader. Vous êtes très rationnel, très scientifique, un excellent analyste. Le rêve américain qui dort aujourd'hui en vous, j'espère qu'il va se réaliser. J'espère que Nissan sera une affaire réussie et que, justement, elle va s'implanter un peu partout dans le monde. C'est ça votre rêve, c'est ça votre défi. Vous adorez le danger, vous aurez le challenge et le défi, et je suis sûr que vous allez l'emporter. Alors, clôture à votre façon, voilà. Écoutez, merci, merci beaucoup. Je dois dire que j'ai d'autant plus apprécié l'émission que vous avez été particulièrement généreux avec moi. Le deuxième plaisir, c'est de pouvoir m'adresser au public libanais, surtout à votre public, dont on m'a bien précisé le profil, parce que quelque part, je dirais, si je pouvais, je dirais, par la vie que j'ai vécue, parce que je suis en train de réaliser, montrer un chemin différent des chemins classiques que l'on peut observer à partir de Liban, eh ben, je serais très content. C'est un chemin qui n'est ni supérieur ni inférieur, il est simplement différent. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout est possible dans la vie à condition qu'on s'y prépare et à condition de saisir les opportunités qui se présentent devant soi. On s'est donné rendez-vous dans 2 ou 3 ans au Japon, mais avant cela, j'aimerais bien que vous soyez parmi nous au Liban. J'aimerais bien qu'on vous accueille tous ensemble. Alors cette fois-ci, ça va être un peu différent, parce que les gens certainement se sont familiarisés avec vous ce soir, avec votre visage. Et j'espère justement que votre visite éclair pour le Liban sera très prochainement. Alors ce soir, on peut garantir à tous ceux qui nous suivent qu'on n'a pas fait de publicité pour une marque déterminée de voitures, pas du tout. Ce soir, c'était une expérience humaine que nous avions voulu découvrir et c'est ce que nous avons fait. J'espère que vous avez passé avec nous une très bonne soirée, que vous avez découvert un personnage exceptionnel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, lundi, 21h30 sur la MTV. Merci et bonne fin de soirée.